L'école c'est chiant, surtout quand il faut étudier. Du coup aujourd'hui on va apprendre à tricher. J'ai rarement fait aussi rapide comme intro. Petit tutoriel les amis, apprendre à tricher, on va voir ça. Ok, du papier collant, ouais. D'accord, tu découpes et tu le colles où? Tu le mets dans de l'eau? Ouais. Ah comme ça devient transparent, d'accord, ok. Et tu le mets sur ta bouteille. C'est quand même un petit peu cramé, genre c'est pas ouf. Moi je me souviens, j'avais vu une vidéo d'un mec, il avait pris l'étiquette d'une bouteille qu'il avait mis sur son PC, tu vois. Et il avait enlevé tous les ingrédients, vous savez, toutes les inscriptions qui sont écrites là, genre personne n'a jamais lu de sa vie, tu vois. Et il avait enlevé ça, il avait mis les réponses de son interro. Enfin, le mec, en fait, tout le temps qu'il a pris pour faire ça, il aurait pu le faire étudier et ça aurait été la même, tu vois. Mais je trouve ça tellement drôle, en fait. C'est tellement ingénieux, tellement d'efforts pour finalement pas grand-chose. C'est pour une interro, pas ouf. Après, si tu le fais sur un examen, là je suis d'accord, là c'est pas mal du coup. Ok, tu le colles entre ta latte. Ouais, ça c'est... Ouf, ouais, pas mal. Ok, ça c'est pas mal. Après, bon, si tu regardes tout le temps ta latte, ton prof, on va pas se mentir. Ah ouais, pas mal, il se sert de trois trombones pour faire un compas en fait. Ok, c'est pas pour tricher en fait. J'ai changé de vidéo parce qu'en fait j'étais sur une vidéo de création intelligente. Mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux savoir tricher, ouais, mais ça c'est connu ça. Le bic comme ça, frère, c'est trop connu. Okay, écrire sur sa bouteille, mais c'est pas ouf. Oh mais non, c'est nul. Ah mais il faut du coca. Il faut du coca. Donc achetez du coca les gars. Très bonne boisson. Ok, du coup, vu que c'est noir et que le coca, ok, pas mal, pas mal, pas mal. Pourquoi il y a un cutter? Enfin, je comprends pas en fait. En fait frérot, si tu te ramènes en classe avec un cutter, c'est quand même sacrément bizarre en fait. On va te regarder bizarrement. C'est mon père, il m'a donné pour l'interro de maths. Non, normalement c'est transparent, une... Je sais plus comment on appelle ça gros, c'est une équerre, je sais plus. Non, franchement non c'est nul. Tu vois clairement qu'il y a une feuille en dessous en fait, c'est nul. Ah ça qui sert le cutter, ok. Mais en fait c'est... En fait c'est malin mais c'est pas très malin en même temps genre. Je sais pas comment expliquer, c'est pas ouf. Oh, c'est pas du tout cramé hein. Non, non, tu sais, tu regardes ta gomme comme si c'était un téléphone, gros, c'est absolument pas cramé. Qu'est-ce qu'elle... Un bracelet? Ah ouais, genre ça fait un bracelet. En vrai, ça c'est pas mal, mais y a même pas besoin de l'élastique, gros. Tu fais un copion, tu le mets bah, sous ta manche, le profil arrive, bah tu le remets vite fait, frère. L'élastique, c'est juste un petit truc en plus, mais c'est pas nécessaire. Attends, pourquoi il met ça sur une porte? Je comprends pas. Mec, t'es censé être en classe, en fait, tu ne peux pas faire ça. Le prof te regarde bizarre. Mais c'est nul! Attends, c'est éclaté, frère. Clairement, le téléphone, il est là. Ton père, il est juste complètement aveugle, frérot. C'est pas la même chose. Ah, super, il travaille, mon fils. Bah non, il est sur TikTok, en fait. Coup monté réussi, ouais. Non. Si, ils ont des problèmes avec les trombones aussi. Il y a tout le temps des trombones partout dans ce genre de vidéo. C'est pas mal, en vrai. Mais personne va le faire, en fait. En fait, c'est ça le problème de ce genre de vidéo. C'est que c'est pas mal, mais c'est sans plus. Du coup, personne le fera. Encore un cutter. Mais vas-y, ils ont des problèmes! Ils ont des problèmes avec ça! Pourquoi il regardait une vidéo plutôt que de mettre les réponses de son interro? Regarder une vidéo, regarder TikTok en plein interro, s'il a pas compris le but. C'est pas du tout cramé, frérot. Ah, attends. Ça va faire quoi en mettant de l'alcool dessus? Bah, c'est nul en fait. La merde en fait. J'ai même pas d'explication à avoir, c'est juste nul. Putain, les acteurs dans ce genre de vidéo, ça me fume. Les réactions ultra abusées. Ah, et là, tu changes ta note, c'est ça? Non? Pardon? Ouais, c'est bien, mais t'es quand même en échec, frérot, donc ça sert à rien. Oh là là, le téléphone ne tient pas. Encore un trombone. Ok, stylé. Ok, stylé, 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 stylé. J'avoue, en vrai, on peut faire énormément de choses avec ce truc, c'est abusé. Mais déjà, frère, à quel moment tu bouffes des chips en cours? Ça, c'est le genre de truc, à quel moment t'as un cutter et à quel moment tu bouffes des chips en cours, gros. À partir de là, ta vidéo, elle est. Y a pas. C'est fini, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait, mais. Mais c'est quoi ces obèses? Ça m'a saoulé, les gars. Maintenant, grâce à cette vidéo, vous allez devenir des pros de la triche. Vous allez réussir toutes vos interros. Il n'y a pas besoin de me remercier, il n'y a vraiment aucun souci, les gars. Je vous mets la vidéo en description parce qu'elle dure 12 minutes. On va pas regarder les 12 minutes, c'est mort. Il y avait des trucs qui avaient aucun sens. C'est même pas pour tricher, vous voyez. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bientôt les 15 000. Bien, 15 000, c'est beaucoup. A bientôt et trichez bien.